Voilà. C'est la suite de Zeldo. C'est vrai qu'ils nous ont parlé du bouclier Ilien il n'y a pas longtemps aussi. Alors, où qu'est-ce qu'on en était? Que c'est fluide, le son est assez fort. Faut vraiment que je change de boîtier d'acquisition. Et j'avoue que j'ai pas trop les moyens en ce moment. Mais à l'avenir, c'est quelque chose que je ferai. Parfait. Non. Non. Putain. Du coup, nous, on peut pas accéder à cette porte-là. On fasse le tour. Ce jeu de fou. Quel jeu de fou. Je sais plus c'était quoi la strat avec eux déjà. C'est quoi déjà la strat? Les deux là vraiment? Il me semblait qu'ils se moquaient de nous. Je vais repartir, je vais manger au resto. Je reviens sur l'aile à 22h15, grand max. Pas de soucis, nous ça vient. Bon resto. Aïe. Faut bourrer quoi. A plus. Amuse-toi bien. Oh, un Goron. Autrefois, c'était la zone d'embarquement des Vaganais. Mais il fonctionne toujours. Faut pas croire, si tu grimpes là-dedans, tu pourras faire le tour des îlots du coin. Les instructions sur le mur qui disent comment faire. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même. Faut tout lire. Approchez-vous, puis montez avec A. Dans le virage, faites pencher le wagonnet en inclinant votre corps. Tu prends trop de vitesse, freine avec B. Sautez par-dessus les obstacles. Comment on saute par-dessus les obstacles? Allez, c'est parti! Oh bordel! Salut Vali! Ah! C'est Mario Kart! Wouhou! Oui, je faisais mon Duolingo, c'est bien! Bravo, parce que tu as été décevante cette semaine d'après Adri. Pas fait beaucoup. Je comprends. Le plus important, c'est de s'y tenir. Où suis-je? Ok.
Là, je peux descendre avec ça. Bien le chantier naval. Rien d'autre, non? Ah, c'est juste un raccourci pour descendre. Après. Allez, c'est parti. Non, so long. Il va tomber. Oh putain. De la gerbe. Ok. Terminus chantier naval. Oui, les indices dans le navire, pour le navire. Rien. Et on nettoie tout. Allez, nettoie tout. Oh. Oh. Un scorpion.
Ça sent la merde. Ça sent la douille. On dirait un des scorpions que j'avais tué, c'est un des... Ah ! Ta goule. Merci. Merci Faye, je m'en doutais un peu. Hein. C'est deux fois tout pour l'argent. Ne... J'ai fait tout ça pour rien. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc là, j'ai fait tout le tour pour rien. Faut que j'aille voir le capitaine.
Repère des pirates. Vous allez comprendre pourquoi j'adore ce donjon. Enfin ce donjon. Le donjon de cette zone. Vous allez en comprendre la nature. Là, il y a une porte. Logiquement, là, il n'y a rien. Ok. Pas de chronolithe sur ce socle, mais on va éviter qu'il s'agisse d'une installation similaire dans l'année de 95%. Oui, mais ça, on s'en serait douté en fait. Donc, le but c'est de mettre d'y foutre un chronolithe. Là, c'est fermé. On passe par là. Wesh. Un peu chiant. Un chronoglobe, sa forme différente de celle des chronolithes, il est conçu pour être transporté. Et je trouve ça trop stylé, sérieux. Ça trop cool.
Ouais, la thune. Coucou Nourpi. On va pas le prendre avec ça. Attendez. Ah, il faudrait que je saute avec. Pas que je le pose, mais que juste que vraiment j'avance avec lui dans les mains, quoi. Comme ça. Merci Nobby Borisov. Merci beaucoup. Fait plaisir. Oula. Là, je peux pas. Et par contre, je peux peut-être. Non, je peux pas le faire rouler. Pose là. Voilà. Comment il va, Nourpi? Passe un bon week-end. Bah oui, hein. Il faut. Déjà fini. T'es pas en vacances en ce moment, donc. D'accord, je croyais. Allez, bouffer ma globe. On est pas en hiver. Ah merde. C'est pourri. Nul. Oh boy. My man. Fait super mal maintenant avec les paméliorés. Ah, mais quelle angoisse! Donnez-moi la paix. Je ne peux plus exister quand t'es là. Salut, je vais pas au resto finalement. Bah pourquoi?
Je viens de se rendre compte que c'était fermé aujourd'hui. Ah bah yes. Et j'avoue que ça, ça la fout mal un peu. Toi. La thune. Oh non. Quel salopard. Oh, il y a une fée. Alors attendez. Ah. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, un cristal maléfique. Il va y avoir des mobs. Ah, c'est les fameux mobs qui tournent en plus. Ok. Oh merde. C'était où déjà? C'est là. Ah! Merde! J'arrive pas. Des monstres de merde à boire. Une bonne, bonne idée ça. Et hop. Ouais, mon cœur quand même. C'est une bonne idée ça de boire. Buvez de l'eau, c'est important. Et du coup là on arrive enfin de l'autre côté. Oui, faut buvoir de l'eau. Buvez de l'eau. Il a ouvert la gueule.
Allez. Il y a le Batal. Oui, j'ai vu que c'était le Batal. Initialisons la détection cible navire en fermant la flamme de Neryu. Oui. Allez, cette fois-ci, on va le faire le donjon. Le navire est sûrement invisible, mais il apparaîtra s'il encaisse un choc. Alors le navire, il est sans doute là-bas, hein. Je vais pas vous mentir. Un peu mal foutu, cette histoire. Sans doute là-bas. Fin de tête. C'est là-bas, il faut. Faudra lui tirer dessus. Le gang des crapauds. Ah, Kourou, ça faisait longtemps. T'es où? Ah, je suis dessus. Il est où? Il est où? Ah. Tirez! Thank you.
C'est parti pour un des... pour un donjon que j'aime beaucoup. Et du coup, le deuxième donjon de l'anel. Et qui se passe sur un bateau pirate. Donc forcément, vous savez pourquoi ça me plaît. Enfin, c'est un bateau un peu mécanique et tout, vous allez voir, mais je trouve ça trop cool. D'autant plus que le désert de l'anel est, à mon sens, une des zones les mieux designées, sincèrement. Ça se sent que c'est toi. Je m'appelle plus du tout du boss par contre, ça fait vraiment... Là on peut pas aller ici, il y a un truc là... Il y avait une porte là-bas. Et c'est parti. Ah, la musique est cool aussi. Je sais pas si vous l'entendez. Donc là on est dans un bateau. Le donjon c'est ça, c'est un bateau. Le monsieur l'avait dit, si on dessine la thune... Comment je dessine l'argent? Comme ça? Et genre comme ça? Ah, j'ai fait, d'accord, j'ai fait un cœur apparemment. Et puis, ah, faut faire peut-être un diamant, un rubis. Je sais pas. On peut aller par là, on peut aller par là. Pour de bon, cette fois-ci je ne parle plus. Pas de soucis Marius, y a aucun problème, tu fais comme bon te semble. Alors là je ne peux pas passer. Ah non, 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 tombe pas dans le trou. Tiens. C'est un peu extrême, mais ça a marché. Allez, ramasse ton cœur, là. Je peux aller par... Ah non, je peux pas, c'est verrouillé, là aussi. Je trouve un globe... Non, pas ça. Non, pas ça. Oh, l'angoisse. Alors, en vrai, pour vous débarrasser d'eux, vous faites ça. Logiquement ils veulent tomber. Thank you.
Allez, cassez-vous. Oui, j'aime bien faire ça ici, je sais pas pourquoi. Allez, cassez-vous. Non, non, ne me touche pas. Je casse. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Cassez-vous, saloperie d'insecte. Tu fais ça, tu fais ça, et après tu fais. Ça pour ça, et je trouve ça satisfaisant. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je le check. C'est vous. Là, on peut sauvegarder. Qu'est-ce qu'il me veut? Oui, c'est la porte. Je sais. Je suis au courant. Oh, le nombre de coffres. What? Non, c'est pas ça. Comme ça. Là. Après, comment je connais l'ordre? Gauche, bas, haut. Thank you.
Ok. Là j'ai les trucs. Le bout du gouvernail rouge est vers le haut. Ici. Qui fait que. Ah c'est bon, j'ai. Donc en début. Alors. Bas. Haut. Bas. Bas, haut, bas, droite. Je retourne à l'entrée maintenant. Je retourne à l'entrée, est-ce qu'il y avait une porte? Ah, à chaque fois il y aura un insecte là. C'est toi. Pont de mime. Là il y a rien. Bravo pour le corps au bout. Ok. Maintenant, on accède au ponton 459. Putain. Moi, j'en ferai pas autant. Oh mon dieu! Le capitaine Crochette! Quel enfer. Pousse-toi. Tu tombes. Tu es fait comme un rat. Oh non. Tu es fait comme un rat. Oh no. Jack Sparrow. C'est Jack Sparrow. J'ai battu le capitaine pirate. Oui. Enfin. C'est pas trop tôt.
Enfin l'arc quoi. On l'obtient tellement tard dans ce jeu. Enfin tard. On est un peu plus de la moitié du jeu maintenant. Mais... Je veux dire, je trouve ça tard, hein, franchement. Hein. Allez, c'est parti. Bravo pour le Korogu. Beau gobelin. Je vous ai jamais aimé. So long. Ça, je pourrais descendre. Tomber. Par où faut que j'aille? Il faut que je les tue tous, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah non, je suis con. Thank you.
Une cellule. Au moins de... Moins de rez-de-chaussée. Ok. Moi j'ai trop peur, je vais attendre dans le bateau. D'accord. D'accord ma poule. Il y avait des trucs de bateau au sol, je crois. Encore. Oui, c'est fort probable que ce soit là. Oui. Vraiment pour ça? Je dessine un rubis du coup. Alors faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, t'es mal la gueule du rubis. Ouais. Let's go. Magnifique Ruby. Fragment de cœur. J'ai dû en louper pas mal dans le jeu là, mais j'avoue que je vise pas le 100%. Alors si je fais un 100%, je le ferai vraiment de mon côté moi. Je l'avais déjà fait sur sur la version Wii à l'époque. Ça peut prendre pas mal de temps mine de rien. Bon. Quoi ça sert ça déjà? D'accord. Faut pas. Faut pas y aller. Là non plus, bah faut que je reprenne l'entrée principale en fait. Attends, ça a dû bien changer à l'intérieur. Voilà. J'ai un doute sur le fait qu'on réussisse avant 23h. Enfin, c'est possible si je galère pas trop, mais. J'ai pas souvenir que le donjon était particulièrement long. Et là j'arrive où? J'arrive ici. Et là c'est déjà fait, ok. Juste que je refasse, que je redescende en bas. Et je me rappelle plus du tout du boss. Alors que c'est un donjon que j'aime bien celui-là.
Celle-là du bateau, elle est pas utilisée. Un genre de truc dans... Dans, genre de, dans les souls, ce genre de truc là, il y a forcément un mur invisible. Go de Neryu. Aïe. Alors là je peux pas. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Backseat pas, backseat pas. Ban, il faut ban Faye, elle backseat. Bravo pour les Korogu. Il y a le backseat. Permet aussi... Passera pas. Passera pas, mais du coup... Il y a quoi là déjà? Et ça tout à l'heure. Ça sert. Ah, ok. Ok, ok. C'est pas pour tout de suite. Quelle angoisse. Fortuna après en descendant le bateau. Je fouille déjà tout ce que j'ai pas vu dans cette temporalité. Hein.
J'ai vu plus ou moins ce qu'il fallait faire. Là, c'est la porte avec le boss. Aïe! Porte pour le boss, c'est ici. Ça, on y aura accès en passant par les trucs en dessous du bateau qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Oui, Marius. Merde! Arrête! Arrête! Mon animal comme toi arrive ici, blargue. Oui, je m'amuse avec pas grand chose, mais j'aime bien. Parfait. T'es venu le capitaine pour nous aider. T'es venu avec le capitaine pour nous aider, ça me fait trop plaisir. C'est bon, avec ça qu'on peut pas sortir. Pour arriver ici en passant par la salle des machines, il faut rétablir le courant. Ok. Bah, j'avoue, ils sont assez petits là, ils peuvent passer en dessous. Les bolos. Là, y a rien logiquement. Donc pitié. Oui. Il défonce la porte. Des marboules. Là, faut que j'enlève l'électricité, c'est ça. Faut enlever l'électricité. Je me suis compris. Mettre le jeu.
Salopard. Salopard. Et de 1. Et de 1. Ouvrir cette salle là par contre. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, j'ai bon, j'ai compris. Un jeu de fou. C'est vraiment un jeu de fou. Hop. Et là, on arrive du coup dans la salle en étant dans la bonne temporalité. Parfait. Comment il se tient? Parfait. Et maintenant on peut prendre l'échelle et se barrer. Enfin, du moins. Allez, délivrer les gus. Défendre chargement tranquillou. Ok. Ah, les fameux coffres. C'est parti pour se taper les cinématiques en boucle. Un corps de monstre. La thune. Un corps de monstre. Vu qu'on est dans un bateau pirate, forcément il y a un trésor.
Ok, parfait. Bon. J'ai l'impression de rusher, mais en vrai c'est surtout que le jeu il est assez fluide au niveau des donjons. On galère pas trop en général. C'est pas les donjons les plus difficiles du monde. Je regarde juste un message. Hop là. Il est vraiment venu nous aider, je suis si content. Rentre d'abord dans la cabine du capitaine, tu devrais trouver la clé de la salle de contrôle. Je te donne cette clé. C'est la cabine du capitaine en passant par une porte à la poupe du bateau. Ouais, c'est ok, je vois, c'est... Allez voir le capitaine. Ouais, voilà, de souvenir, le donjon est pas très 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 long. On va très vite arriver au boss, ça tombe bien parce que 20 minutes il est 23h. Comment il se tient, Link? Il est mal au dos. Logiquement, lui, je peux lui choper son... Ah merde. J'ai pas eu le temps. Ce passage là, ouais, ça va être un peu plus long que prévu, un peu plus long.
Comment je... Donne-moi ça. Encore un corgo, bravo pour le corgo. Ok. Logiquement, là, ça devrait être bon. Une. Il faut que je le tue, j'ai pas le choix. Bon, je peux pas tirer sur le bidule. Alors, comment je fais? Pas si compliqué. Là, on a la clé du boss. Salut les boys. Je vais à la main, je sais plus du tout. Je sais plus du tout par quel passage faut prendre exactement, donc je vais y aller à pied. Vous savez pas, les tabourets permettent de se régénérer. Ok, et bien c'est parti pour le boss. Aryuradi. Alors déjà avant ça, il faut qu'on fasse le puzzle. C'est le logo de Twitch. Vous avez vu? C'est le logo de Twitch.
Pourquoi j'insiste comme ça? En vrai, il me faut... Ça, c'est comme ça. Mais c'est pas possible que ce soit juste comme ça. La barre, elle est comme ça. Pour qu'il y ait 3 de d'un côté. Il faut que je cherche. Voilà. Non, j'ai reset. C'est bon. J'ai reset le truc. Allez, c'est parti pour le boss. Je me rappelle plus du tout du boss. De toute façon, là, on arrive dans des parties où je me rappelle plus trop. Le donjon du volcan, par exemple. J'ai plus trop de souvenirs du temple. Je sais que c'est pas le bateau. Je sais que c'est pas un bateau comparé à celui-là. Ah mais si! Ok, c'est bon, j'ai compris. Toujours à la dernière minute que je me rappelle. Ok. Par contre, je sais plus du tout comment on affronte ça. Je le fasse au juste. Ah oui! Regardez comment c'est trop stylé. Faut qu'on fuit le bateau! Il est probable que ces tentacules appartiennent à un monstre gigantesque, c'est difficile. Mission, il me semble que le navire soit attaqué. Eh oui, on se fait attaquer! Voilà pourquoi je me rappelle plus trop du boss, parce qu'en fait c'est pas vraiment un boss à proprement parler, vous allez comprendre. C'est un boss mais vous avez vu, c'est ça mais différemment quoi. Check ses stats à chaque fois. Allez, c'est parti. Regardez comment c'est trop stylé. Il a saccagé le bateau, regardez. Agro-gro. Monstre marin antique Deidagos. Les yeux. C'est
c'est un Rastafari avec ses rastas de tentacules. Le canon. Non, c'est pas le temps de se retenir. Ah putain. Yes. Le cœur. La flamme de Neryu. On level up l'épée.
Incroyable. Regardez bien. Bing. En recevant la flamme de Neryu, Fei s'est éveillé à de nouveaux pouvoirs de détection. Donc vous pouvez détecter tout le globe si vous voulez. Incroyable. Aïe. Un nouveau champ, je vous recommande de vous rendre dans le ciel sur l'île au champ. F. Merci d'avoir rendu mon navire. Il est en piteux état, mais on va le réparer avec les compagnons. J'espère que tu trouves ça que tu cherches. Bonne chance. C'est vrai que je suis arrivé, son bateau il a fini en ruine. Ouais. Bon, je retournerai dans le désert plus tard. C'est pas le but tout de suite. Oh! Eh bien les amis, c'est ainsi qu'on termine du coup le donjon, enfin le galion du coup des sables, qui est le deuxième donjon du désert, que j'aime bien. Il est relativement simple, c'est pas le meilleur loin de là, le premier donjon, le donjon de l'eau là qu'on a fait la dernière fois était vraiment cool. J'aime quand même bien ce donjon là parce qu'il est un peu pensé différemment. J'aime beaucoup la mécanique du désert. Du coup, voilà. Allez, sauvegarde et quitter. Tac. On va arriver à une vingtaine d'heures de jeu. Et la prochaine fois, on se rendra du coup sur l'île aux champs pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Et pour vous spoiler, bah ça sera... Enfin, vous en doutez, mais ça va être le volcan. Allez, des bisous YouTube, j'arrête l'enregistrement là.